L'huître creuse a une vie bien atypique. Hermaphrodite cyclique, le mollusque change de sexe pour se reproduire. Ses larves dérivent ensuite pendant une vingtaine de jours avant de se fixer pour la première fois. Pendant 3 ou 4 ans, l'huître va se développer au gré des différentes techniques d'élevage et d'affinage régional. Tout cela pour devenir la fine de clair verte ou la pimpole charnue qui garnit l'étal du poissonnier. Et c'est à ce moment-là, quand vient le temps de les manger, que la question sérieuse se pose. À quel moment précis de la dégustation l'huître meurt-elle ? Les huîtres se mangent vivantes. Lorsqu'on les ouvre, on ne coupe que le pied qui maintient la coquille fermée. Ce n'est pas un organe vital. Du coup, si l'on pique l'huître avec la pointe d'un couteau, celle-ci va se contracter légèrement. C'est le manteau, l'enveloppe qui protège les organes internes, qui réagit à la stimulation. Si une huître ne se contracte pas, c'est qu'elle est morte ou moribonde. Il vaut alors mieux éviter de la consommer. Si on verse du citron ou du vinaigre sur une huître, il se produit la même réaction. L'huître réagit à l'agression acide, mais cela ne va pas la tuer. D'ailleurs, si l'on verse de l'eau de mer à l'intérieur pour la nettoyer, elle va se décontracter peu à peu, preuve qu'elle est toujours en vie. Conséquence immédiate, si l'on gobe une huître après l'avoir décollée délicatement de sa coquille, celle-ci entre dans l'estomac vivante. Mais l'huître ne va pas vivre très longtemps dans l'estomac. Elle va rapidement être attaquée par les sucs gastriques ainsi que par des enzymes, les protéases et les lipases, qui vont rapidement la désagréger. Contrairement à une fausse idée très répandue, une huître gobée vivante ne va pas dégager de toxines pendant qu'elle est digérée. En revanche, il est possible que la digestion soit légèrement plus difficile. En effet, comme tout aliment, la mastication permet de le réduire en bouillie et de le prédigérer avec la salive. Mais si les vrais amateurs d'huîtres conseillent aux novices de bien mâcher une huître, ce n'est pas pour des raisons digestives. C'est avant tout pour faire ressortir tous les arômes du mollusque. Rares sont les assiettes à pouvoir déchaîner les passions gustatives autant qu'un plateau d'huîtres. Entre ceux qui les détestent, Fast huître, c'est révolutionnaire. Vous appuyez et 2 minutes après, vous passez à table. Et les autres qui en raffolent. J'espère qu'elle est déjà ouverte. Ah mon Dieu, faites qu'elle soit petite et ronde. L'huître est dans tous les cas un aliment riche en protéines et en vitamine B. Malheureusement, c'est aussi un animal très sensible à la pollution et à certaines bactéries. D'après les professionnels du secteur, la surmortalité des jeunes huîtres et de certaines huîtres adultes a d'ailleurs fait augmenter son prix de près de 50% en 5 ans.